Check, check, check. Mathieu, t'as bien raison, il y a un paquet de monde qui vient visiter. C'est tout à ton honneur de nous laisser un petit peu de place dans ton spectacle. J'aime ça, ouais. J'aime ça avoir des amis, j'étais un gars sociable. Ça te repose d'avoir un peu ce qui va se passer plus tard. J'ai 250 ans à décrire malgré le coup de main que t'auras. C'est d'avoir anglais dans la série NASCAR. Ben, sais-tu qu'est-ce qui est bon pour se faire du bien? Je regarde la ravissante Julie, avoue qu'elle est belle, quand c'est le parasol Bonoiseur, elle est-tu belle avec un peu? Ça donne le goût, même si t'as pas ça, d'aller chercher une bonne. Il y a des différentes concessions, également la splendide Marie-Ève, la sulfureuse Marie-Ève qui est là. Donc... C'est le numéro 14 qui prend le contrôle de cette course. On est à l'attaque en deuxième position, le 73, Steve Lagacé. Lagacé en deuxième place. Le premier résultat sur le circuit de Saint-Eustache. On est en quatrième pour le numéro 91 de Sylvain Contant.
Présentez-moi la belle peau, la balance, elle va échanger, mais le numéro 12, Patrick Leparé, et la
38 de François Beauvrais. Bon, tour de course, mais Wade Ford, il y a un de tes amis qui était très agressif et qui avait dit qu'il n'y avait pas le circuit de l'autonome Saint-Eustache. Le virage 1-2 est un petit peu plus serré que le virage 3-4, alors ça demande un petit peu plus de finesse et de doigté pour lancer l'accélérateur. Il peut pas parler un 2 alors. Le moindrement trop agressif, ça arrive, bien attaqué, ça va lancer la course. Est-ce que ça qui a l'air plus facile? Oh non, ça c'est un vertique qui est large. Et moins il peut rentrer à cause du... il n'y a pas de mur à l'extérieur, mais le virage beaucoup plus difficile que le 3-4. C'est juste pour ça, dans le fond, qu'il n'y a pas de mur. Si on manque notre coup, bac à gravier, on n'a pas peur de se faire mal, on pousse un petit peu plus, un petit peu trop. Ouais, si t'en fais, l'envers est attaqué, c'est dans le virage 1-2 que tu veux le faire. 3-4. On a vu cette semaine qu'ils sont venus essayer des autos qui ont embrassé le mur dans le virage 3, assez solide. Alors Mathieu, tu t'en vas recueillir les commentaires du gagnant. On l'applaudit, mesdames et messieurs, numéro 12, gagnant la finale. Production! Son nom, Patrick Leboré!